12 dreams for the Red Queen under Crown of Stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Ouais, cette introduction délicieuse. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Suis les traces de sang. Ah. Du sang. Thirsty. So thirsty. Oh God. Oh no.
Cauchemar ne fait que commencer. Wait a moment, let me explain. These patrols are after me. Tous sont après moi. Don't shoot. Ah. This is a nightmare. Il faut fuir. I need to get out of here. Fuir où? Je ne sais pas, mais il faut fuir. This can't be happening. Absolument, la police est là, mais au mauvais moment. Ah. Stop. I mean you no harm. Mince. Ok. Ils sont juste ici. What's going on? Où est-ce que je pars? Oh, où je Mary. Me casse? What have I done? What's all this about? Has it fled? Intéressant. Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill that thing! Il a un côté. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Donc, on peut se servir d'une arme blanche pour attaquer. On peut attaquer le. Également, on peut détruire le décor autour. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de détruire le décor? J'ai un doute. On va garder l'arme à la main. Des fois qu'il y ait quelqu'un. Who are you? Stupid bitch. Qui je suis? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu crois? Pouvoir faire. Qui d'autre est là? Dans des fonderies. Évidemment, air industriel. Non. Hop là. Ah. On va se mettre un coup. Qu'est-ce que tu crois faire? Merci Bérégile. Merci beaucoup. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? I need help. Die, you fucking leech. Quoi? Tu n'as plus de balles. Délicieux. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends vraiment pas? Just leave me. Merci Maniki. The sun. Soleil. Feels like it's burning me to the bone. Je suis blessé comment? Je sais pas, je suis blessé comment. Il y en a d'autres qui arrivent là? Non. Non, il faut sûrement pas que je reste ici. Ok. Ok. I cannot enter. Oh mince. Qu'est-ce qu'il veut là? I need to find somewhere to hide. Qu'est-ce que tu veux? Right now. Let me go. Ah. Tu ne m'as eu qu'une fois. Les brûlures sont bien présentes. Ok. Is anybody there? What is this place? Est-ce vraiment nécessaire? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Ok. I had better remain here until nightfall. Okay.
Une ambiance sonore qualité. Qu'est-ce qu'on a partout ici? Petit portrait fait à mano comme d'habitude. Ma pauvre sœur. Brother. What have you done? Mary. Mary. Le Mary. Style de cinématique est vraiment intéressant. Sorry. Whoever did this to us, I will find them. OK, Titima. Alors, faut que je fasse attention à ma barre d'endurance parce que elle risque de me nuire terriblement si elle est trop basse. Il faut looter tout ce qu'on peut tout le temps, partout. Le danger est absolument omniprésent. L'ambiance l'est pas moins. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? On sent quand même le goût. Non pas du détail, mais de l'immersion. Bouteille d'alcool. Parfait. J'aime bien dans ce genre de situation y aller doucement. Oh. Ça n'a pas l'air très humain, ça. Ou ça n'a pas l'air très riche. Une grenade. On dirait une montre. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Nah, give him an eve. C'est impossible. Ah, si, évidemment que si. Allez au pieu. Tu oublies les items en bas. D'accord, il y a encore plein d'items en bas à trouver. Il faut les chercher. Je suis très curieux à l'idée de savoir si à la manette, la caméra n'est pas moins folle. Une envie, c'est de saisir ce marteau et de déglinguer le pauvre mortel que j'ai vu passer. I had better remain here until nightfall. Soleil et feu. Les suceurs de sang ne craignent pas le soleil, ils ne sont pas immédiatement réduits en cendres s'ils sont touchés par ces rayons. Par contre, cela leur fait très très mal. Un jour, j'ai enchaîné un vampire à un arbre afin de voir ce qui allait se produire au lever du soleil. Sa peau a noirci en l'espace de quelques minutes. Comme si elle brûlait à l'intérieur. Ses yeux et sa chair ont fondu, et j'ai vu de mes propres yeux. Ses os se tortillaient toute la journée pour essayer de s'extraire de ses chaînes. Au bout du compte, il n'en est resté qu'un cadavre desséché, qui a lentement commencé à se régénérer dès que le soleil a disparu de l'horizon. Je lui ai coupé la tête afin de le détruire pour de bon. Mais lorsque j'ai fait la même expérience avec du feu, il n'est resté du suceur de sang qu'un tas de cendres dont il n'est jamais revenu. Le feu est donc notre arme de prédilection. Mes frères, le meilleur moyen de nous débarrasser d'un vampire est de le brûler. Issu de Connaître tes ennemis par Karl Eldritch, commandant de la garde de Priven. Très bien. Alors, on part du principe que c'est un univers où le vampirisme est avéré. On n'est pas ici par hasard. Tout ce qui se produit... J'ai le réflexe... Comme... C'est fou, comme dans Dead by Daylight. J'ai tellement mon auriculaire au travail à 24 heures sur 24 que j'essaye d'appuyer sur la touche contrôle pour me baisser, comme dans Dead by Daylight. J'ai l'impression qu'il faut que je me cache derrière un buisson. Alors qu'en fait, c'est moi le tueur, là. Je suis un méchant, ok, respectez-moi. J'ai l'auriculaire en feu. Très bien. Ok. Je vais essayer de réduire la sensibilité de
la souris. Voilà, histoire que je puisse contrôler. Oh ouf. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Okay. Donc, il y a un reflet technique, là. Ah, ça s'entend quand je me suis servi du café. Très bien, parfait. L'ambiance est parfaite pour l'instant. Hein. On va essayer de diriger le fosseur des films vers sa destinée. Ok, moche, moche, moche. Tapisserie fait pas joli, joli. Ok. Alors, monsieur, vous avez pris un surdosage d'efferalgan ? Mal de tête définitif ? Ok. Alors, je crois que c'était sa seule alternative. À un moment donné, dans la vie, ta souffrance, tu ne la supportes plus. Et si elle est malédiction, il n'y a plus d'alternative. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now, no. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No. It never got easy. Sans déconner. Détail. Est-ce qu'il y a un truc caché derrière? Non. On va continuer d'explorer ce qui doit l'être. 15 octobre, mal dormi, béquille a toussé toute la nuit, la fièvre l'a fait délirer, j'ai entendu un énorme boucan ce matin, c'était une grosse machine que des ouvriers ont apportée sur les berges afin de creuser un trou dans le sol, comme une sorte de pelle mécanique. Merci JC Souche, merci beaucoup, un très très grand merci à toi, merci infiniment. 16, ok. Alors, 16 octobre, je suis à la Londres pour acheter des médicaments, donc comment j'ai aucun trait. Aucun train ne fonctionne. J'ai mis la journée à traverser la Tamise et puis à revenir. Becky semble aller mieux. Je lui ai préparé une soupe, elle l'a mangée. Je n'ai pas trouvé de médicaments, seulement quelques seringues et des somnifères au marché noir. Nous n'avons plus d'argent. Peut-être pourrais-je aller au Pembroke Hospital demain, mais il est tellement loin, j'ai peur de laisser ma femme seule aussi longtemps. Ok. Ça sent quand même la situation qui décline de jour en jour et qui lui échappe jusqu'à la fin. Ok. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. No. Fais ce qui doit être fait. So
rational thinking only. Non. Jeu superbe. C'est vrai, c'est un... bande originale qui fait quand même pas mal penser à celui de Hans Zimmer sur Sherlock Holmes. C'est le Tachiki. Oh, j'ai encore fait dans le lit. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Oh. Ok. À partir de là, tu te dis que tout va bien. Les lits des refuges vous permettent de vous reposer, d'évoluer, dépenser des points d'expérience pour monter un niveau, améliorer vos compétences vampiriques. Ok. Alors, autophagie. Consommez votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux aggravés. Oui, j'imagine que c'est la base de toute façon. Très bien. Les points de sang, 0 sur 600. J'ai 1735 points d'expérience. Merci, Jelomiki. Un très grand merci à toi, Jelomiki. Merci infiniment. J'ai. Ok, 600 points. Ok. Je peux pas débloquer ça. Non. Il y a des prérequis, niveau 6 requis, je suis que niveau 2, comme on peut le voir juste en haut à droite. Donc, le retour par là. Par contre, je peux avoir des compétences agressives. Les griffes, la lance de sang ou la brume des ténèbres. Placez un nuage d'ombre à vos pieds et ce... de votre cible, le nuage explose, avéré quelques secondes infligeant des dégâts sérieux. Projeter une lance faite de sang qui peut transpercer les ennemis devant. Oh, j'adore ça. J'adore ça. La lance de sang. Brume des ténèbres, lance. Allez, on va aller dans la lance de sang. Je suis très... Voilà, en plus. Oh là là, tellement cool. Tellement cool. Griffe comme un chaton. J'ai 135 points d'expérience, je peux plus faire. Yes. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong. Mise à jour. La nuit est de nouveau là. Je suis à Londres désormais, quelque part dans les docks de l'East End. J'imagine, je ne connais pas très bien cette zone de la ville. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un assassin ici, quelqu'un qui s'en prend en résident, qui les massacre et boit leur sang. Est-ce que... Est-ce pour les rendre comme lui? Est-ce que cela m'est arrivé, ma pauvre Mary? Ma pauvre sœur, je dois suivre ces traces de sang, trouver des réponses. Peut-être devrais-je commencer par trouver ce qui est arrivé à cet endroit pendant que je n'étais pas là. Puis je découvrirai qui m'a infligé tout ceci. Qui a fait de moi ce que je suis désormais. Ok. Ok. Tout à fait, Finn. Fenris, le mal te va si bien. To the one who made me what I am. Absolument. I must find him to understand what I have become. Ah. Quelqu'un essaie de rentrer là?
sans déconner. Allez, on va pas rester là. Très bien. Dieu. My head's spinning. Il faut déjà bouger. It's locked, all right. On va quand même pas très bien. I cannot enter. Mais non, bien sûr qu'il faut pas rester là-bas. Allez, on va prendre tout ce qui peut être pris. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Du matériel. Oh, allez, je marche. Ok, je peux exploser les chaises juste par la force du mocassin. Je devrais pas prendre des pouvoirs liés à du sang. Je devrais lancer des mocassins. Un pieu usé. Ouf. Très bien. Peut être utilisé en appuyant sur. Ok. Attaque spéciale. Qui donc ose. I'm still in Southwark. Alors, rentrer chez moi. Ok. Je peux étourdir. Pour prendre leur sang. Jersaras, bonsoir, merci beaucoup. Jersaras, ça fait très... Jersaras. Très bien. Merci, 3 mois de soutien. Oh. Excuse-moi. Ouh. Coup de coude. Voyons voir. Parlons peu. Buvons bien. Alors, est-ce que... Quelle est donc la touche pour... Très bien. Alors, c'est ça. Ok, d'accord. La lance. Très bien, c'est la touche 2. Parfait. Voyons voir. Testons la lance de feu. It's locked, all right. Juste par la force du mocassin, hein. Je charge un tonneau. Mopette, déjà 27 mois. Waouh, grâce à toi, j'ai pu passer l'un des meilleurs week-ends de ma vie en compagnie des gens du chat. Avec un smile qui sourit, des bisous à tous cœur. Merci beaucoup. Bah ça, c'est du compliment de ouf gueudin. Merci beaucoup, Mopette. Merci infiniment. Ah. C'est de maîtriser. Ah. Donne-moi d'abord ta vie. Ouf, j'adore. Michel, pendant qu'on mange. Kix. Pas cher du rêve. Excuse-moi. Excuse-moi. Trop pensé qu'il faut que je rejoue à Devil May Cry. Non. My strength. My reflexes. Yes. Tout à fait, je peux les verrouiller avec le contrôle, absolument. Mais j'aime bien tourner un peu autour. Non, c'est un autre univers, Noran. Ça n'a rien à voir avec Vampire la Mascarade. Quelque chose de jouissif dans ce jeu. J'espère qu'il tiendra ses promesses sur la longueur. On va casser ce tonneau! Faudrait que je me. Faudrait que je récupère une. Ça m'a l'air vu un loot, voilà, très bien. C'est possible.
Le 1 et 2, je suis pas nostalgique du 1 et 2. Le 3, c'était le meilleur. Le 4, j'ai pas trouvé ça fifou. Hein. Faudrait que je prenne une manette Xbox. Ça va être une hérésie. Ça va être la première fois de ma vie que je prendrai une manette Xbox. Si je fais ça, mais je m'auto-renie. J'aurais jamais fait ça de ma vie. Spartiate ! Qu'est-ce que vous êtes ? Contre des tonneaux ! Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Ambutus, salut à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, un très grand merci à toi. Moi, je suis le gars dans Castlevania. Je crois que c'est Symphony of the Night. Où à chaque fois, tu avais le personnage de Castlevania, où tu allais plus vite en allant en arrière, en faisant l'esquive, qu'en courant vers l'avant. Et du coup, je faisais tous les niveaux pour aller plus vite. Je faisais comme ça les niveaux, mais j'allais plus vite. Et puis en plus, je trouvais ça hyper stylé. Ah mais du coup c'est pas hyper mal là parce que je perds mon endurance en faisant ça. Est-ce qu'on trouve du matériel par là? Je joue avec une manette PS3 sur mon PC, les jeux reconnaissent comme une manette Xbox, ça passe très bien. Ah! Oh! Pas casser ce tonneau. Ok. Vraiment que je surveille mon endurance. Yes. J'ai toujours pas devenu un ninja. Pourquoi dis-tu m'a arnaqué? Je comprends pas la phrase. Ça, je suis sûr qu'elle a du sens, mais dans mon cœur, au fond de toi. Non, dans mon cœur, au fond de moi, tu es un ninja. Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous dans l'armée britannique pour aider nos courageux frères au front. Ya. Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous pour aider. Bla 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 bla. Pardon. Allons-y. Au tapis. Un peu de soyeuseté. Dans ce monde des globes. Mary, des glomobines. Someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Merci beaucoup. Des grands merci à toi au tapis. Ouf. Oh. La vue d'un vampire. Du sang pour ce qu'il vaut. I can't believe I'm doing this. C'est pas exactement ce que pensait. I cannot enter. Les stats. This is despicable. Il faut ce It's qu'il locked. Faut. Est-ce que j'ai joué au Bayonetta? Non, j'ai eu un gros problème. C'est viscéral, j'ai un vrai problème contre Bayonetta. Je trouve qu'il est... les 15 premières minutes m'ont complètement bloqué. Là où tu passes, où la caméra elle passe entre sa poitrine, entre ses seins, où elle fait le tour en dessous, puis sur le tour de ses fesses, puis je trouve que c'est putassier à un niveau... Le jeu en termes de... en termes d'action, j'en suis sûr qu'il est excellent. Vraiment, j'ai vu des actions très stylées. Mais j'ai eu un vrai problème là-dessus. J'ai trouvé ça bien trop putassier pour passer outre. Je suis désolé, ce n'est que mon avis. Mais je... Voilà, je... Ouf. L'ambiance. I can now control it. I cannot enter.
Pas du tout, je n'avais pas la Japan Expo. Qu'est-ce qu'on a là? Ça arrive, j'ai eu la même sur un autre jeu, sur le personnage. D'accord. It's locked. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est-à-dire Black Phoenix. Normalement, c'est excellent. Hein. Je peux éclater les meubles. Alors, en l'occurrence, non. Non, c'est en vrai les plus fous. Je suis pas le seul à avoir bloqué ça. Exactement, Saint-Jean. Il y a une sursexualisation du personnage de Bayonetta qui m'a vraiment posé problème. Et pourtant, je suis le mec, vous êtes sur la chaîne d'un mec qui aborde le 8e, 9e, 12e degré avec une facilité déconcertante, voire qui aborde des thèmes de l'horrifique avec un amour profond de la non-société là-dessus. Mais j'ai trouvé ça vulgaire. J'ai un problème contre la vulgarité gratuite. Là-dessus, j'ai un vrai problème. Voilà, bref. Donne-moi. Nom, 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 nom. I can't believe I'm doing this. Oui, bah je préfère bouffer des rats plutôt qu'à jouer à Bayonetta. Hein. Ah. On va t'appeler la souris. Ah, j'ai envie qu'on donne un nom à chacun des rats. Comme ça, on sera encore plus triste quand on en mangera. Ça sera tellement cool. On sera vraiment triste. Donne des noms aux animaux qu'on dévore. What will London have to j'ai mangé Robert. J'ai mangé Fifi. Ouais, ça peut être très très marrant. Laisse les rats tranquilles. Est-ce que eux me laissent tranquille? Patoun. Patoun la ratoun. Oh, génial. It's locked, all right. Non, je vais leur donner des noms de viewers. Exactement, Merilda. Ah, la qualité de ce chat, Kitekat, Kritekrat. Pour l'instant, tout va bien. Ratatouille. Ah mon dieu, ils ont mangé Ratatouille. Encore. Petit objet par là. Yes. Des shillings, shillings. Est-ce qu'une barre de sanité, d'esprit? Je sais pas. Les docks. Le jeu est beau. Hein. Le jeu est très très beau. Zoukwem. Attends là. Yes! Quoi un cadavre? Qui donc? En 1918. Mon dieu. Lui aussi avait 5 voix. Merci Laurent Desson. Merci beaucoup, un très grand merci à toi. The man has been drained of all blood. But I can still smell. Ah, tu sens. Tu sens pour le dieu. I follow. Tu sens the scent trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Merci Epic. Un très grand merci à toi, Epic. The smell is so strong. Très très grand merci à toi. Je peux sentir le sang. Oh! Ok. Coffre de l'aluminium. J'aurais préféré de l'adamantium. Je peux pas aller dans la flotte, évidemment. Enfin, une sortie Elder Scrolls 6. J'ai beaucoup hésité. Attendez. Est-ce qu'il y a un rat par là? Non. Hein. C'est un jeu qu'il faut, où il faut fouiller. J'ai beaucoup hésité à me lancer sur Tezo. J'ai peur de pas avoir le temps de m'y intéresser, de pas en profiter. Comme la plupart des MMO.
Oh, c'est bien ce que je vois. Ça marche pas. Ces tonneaux ne sont pas scriptés. Alors que lui... Comment ça se fait que je ne peux pas sortir mon... Alors là-bas, j'ai sorti ma hachette. Là, dans cette zone. Mais pas ici. Très bien. Zone tout petit peu scriptée. Suivons le sang. There is no one in sight. Pour l'instant. L'ambiance est tellement superbe. Une sorte de... Un mélange entre Silent Hill et le jeu noir. Elle est noire. D'accord. Absolument. Je pense. Eh bien, dis donc. On va voir, je devrais peut-être pas courir. Oh, j'ai l'impression d'avoir entendu des rats. Les rats sont dans les murs. Ok. Le jeu le gère plutôt bien. Oh, le vide, quoi. Qu'il y a autour. It's locked. Pour l'instant. Alors si, à force, je trouve la possibilité, le pouvoir, que dis-je, la capacité vampirique de m'infiltrer dans le domaine. Where has everyone gone? Où est passé tout le monde? Peut-être. Qu'est-ce que nous avons? Refuge. Il y a un refuge caché à proximité. Soyez vigilants. Vous avez trouvé un nouveau refuge. Vous pouvez y dépenser vos points d'expérience en dormant ou bien fabriquer des objets sur l'établi. Dishonored. J'ai jamais joué à Dishonored. Enfin si, j'ai commencé. Et son côté... Il va peut-être me faire basculer hein, sur ce type de jeu. Tout remplir. Allez. H. Artisanat. D'accord. Début d'archélie. C'est un open world. Non, j'ai pas l'impression. C'est pas un open world. Pas vraiment en fait. Il est assez scripté finalement. Il y a des grands rails. Il y a des grands rails. Je pense que c'est pas pour tout de suite, hein, la petite planche d'artisanat. Ok. Yes. Epic, merci beaucoup, Epic. Oh, il a tiré la blade. Yes. On cherchait les traces. Suspect, où sont les rats? Page arrachée du journal intime. Parce que je détourne le regard lorsqu'il se moque de ma couleur de peau, je me déteste. Parce que je pleure comme une petite fille quand ils m'insultent, je me déteste. Parce que je les insulte comme un garçon quand ils ne sont plus là, je me déteste. Parce que je hais mes parents, je me déteste. Parce que je souris aux clients qui m'appellent Sabrina Vrante, je me déteste. Parce que je n'ai jamais trouvé le courage d'avouer à Tom ce que je ressens. Je me déteste. Oui, oh, moi aussi je te déteste. Fais pas ta favoritiste. Vous venez de découvrir un indice. Celle-ci révèle le secret d'un citoyen. Ah! Ok. J'ai tout un tas. Maintenant, on commence à comprendre un peu le gameplay qui va se mettre en place. Il va y avoir des affaires, il va y avoir des personnages. Les personnages, les indices qu'ils vont révéler, les éléments qu'ils vont fournir lors de dialogues vont nous permettre de remplir des cases et de faire une sorte d'arborescence qui va faire évoluer l'intrigue dans un sens ou dans un autre. Ok. Elle. Oh, ok. Presque
presque. Oh. Ça a l'air d'être intéressant, vraiment, la mécanique. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Est-ce que je peux foncer sur cette caisse et l'exploser par la seule force de la... Non. Non, il n'y a rien par là. Ok. At last, a little life. Welcome, sir, to the turquoise turtle. Bonsoir, tout le monde. J'aurais adoré pouvoir fermer la porte. Genre, je rentre dans la taverne, je regarde tout le monde de droite à gauche, je me retourne d'un pas, je ferme la porte, je regarde de nouveau tout le monde, et je souris. Un beau sourire carnassier. Yes. Tout à fait, Rogue. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. D'accord, okay. Has anybody entered the bar recently? Can't say. La map a l'air assez grande. I spent the night making love to that gorgeous bowl, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Des meurtres. Des meurtres. Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. Faut un petit accent anglais. Blame the sewer dog, eh? A dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own dog. Oh, oui. We can all be monsters. Oh, je t'assure que je vais accepter. Who is this dog? Je vais accepter cette part d'ombre. Promis. I'll leave you to your bottle then. Ok, refuge. Ça c'est la map. Non. Non. So, Skiex, bonsoir, bonjour. Premier don pour te dire que ça fait plaisir de regarder tes lives. Merci infiniment, So, merci beaucoup. Très très grand merci à toi. C'est très gentil. Soif éternelle. Chapitre 1, très bien. Ah. My God, sir. Petit côté jeu de rôle. Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Alucard. Voilà un jeu intéressant. Quelqu'un qui a bien aimé Castlevania, apparemment. Ah, la nuit va être longue. On va d'abord poser des questions sur la nuit. You must be new around here. Don't you know about the murders? Les meurtres? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. Oui, Mr. Augustine. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? It's a dog. Before the outbreak, coppers never came round here. Ah. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Très ciné. Quel est cet homme? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. A last ray of light in this dangerous part of town. Vous n'avez Aren't pas peur? Scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets.
and I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Et les gens vont souffler. Ils vont rendre leur dernier souffle. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Mais combien de temps est-il là? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? Savoir. What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Ce sont les pires. Ce sont tellement les pires. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Okay. Faut qu'on se confronte. It's locked, all right. À l'homme du premier étage qui va probablement nous en dire plus sur ces meurtres. À moins qu'il soit. Ok. Ok. Bien. Qu'avons-nous par là? Salut-toi. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Tellement l'accent anglais. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Merci Silver. Bonsoir Maria. Ça faisait longtemps, trop longtemps. Comment ça va? Très très bien. Depuis que tu es là. Merci. Qu'est-ce qui se passe? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Lui, il a moins l'accent. All these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. Dans ce quartier, toujours des disparitions bizarres. It's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Ok, Mr. Mangoucine, merci beaucoup. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. La grippe espagnole. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. C'est génial. Dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. L'être humain a une capacité à tenter de rationaliser l'irrationalisable. La prochaine étape, c'est de dire, oui, alors, je vous explique. Le gars là qui est mort, il a perdu une bataille de Shifumi, il a tellement mal vécu qu'il s'est tiré deux canines dans le cou et s'est vidé de son sang. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina. L3, oui. If you want to know. Oh, Sabri. Bonjour. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Sans déconner. Les gens veulent pas être modélisés dans la rue si c'est pour subir un autre meurtre. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Je ne m'en vais pas vraiment. Alors. Alors ça, je voulais le retirer. Hop, voilà, c'est fini. Les petits indices. Tac. Excellent. Le bruit de pulsation cardiaque.
Ok. Les légendes, l'histoire, faiblesse sur les vampires, les armes. Main gauche, deux mains, pistolet, très bien. Cet homme a un problème cutané. Ok. Et là, les indices avec l'arborescence. C'est le raid. Très bien. Donc, je sais, dissimule ses vrais sentiments pour son patron, Tom Watts. Excellent, on a vraiment une arborescence avec l'implication des uns et des autres. Dylan. C'est le gars complètement bourré tout à l'heure. Indice verrouillé. Ah, excellent. On dirait presque un Cluedo RPG sur la manière dont ça a été réfléchi. Très intéressant. Tom Watts. Très très intéressant comme gameplay. Et là, même, c'est typiquement le genre de jeu, moi, qui me nourrit en tant qu'auteur sur du jeu de rôle, à me dire, il y a des mécaniques hein, ludiques là-dessus qui fonctionnent de manière originale. Wow! Caméra fifole. Allons voir si on peut en profiter pour dépouiller cet endroit. Pas encore tout vu. C'est très malin. Très immersif. Un côté très, très RPG, mais dans le bon sens. C'est fou parce que ce jeu me donne envie de découvrir d'autres jeux. Non pas que celui-là est moins bon, mais il ouvre un peu mon esprit. Et je trouve, je trouve ça bon. Vampires. Lui, il a un bon accent anglais. You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone. Well, that's something I can do. Génial. Génial. C'est génial. Tellement le... And who might you be?